Cordons rouges, fanions et rubans ornant la façade. Tous les attributs de la journée de gala sont de sortie. À 200 mètres du Stade de France, plusieurs dizaines de fidèles attendent de rentrer dans l'imposant bâtiment de plus de 7000 m² pour une inauguration, selon eux, symbolique. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est très important parce que je suis scientologue. C'est ce qui crée pour moi l'effet, pour nous en tout cas, que c'est une religion qui est en expansion et j'en suis ravie. Les responsables de l'église de Scientologie, classée en France comme secte par plusieurs rapports parlementaires, n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations. S'ils appellent sur leur carton d'invitation à éclairer le monde depuis Paris, la municipalité de Saint-Denis se dit hostile à cette implantation. La municipalité entend continuer, sans faiblir, son engagement auprès de ses administrés, notamment les plus jeunes, dans la prévention contre toutes les dérives sectaires. Certains anciens membres condamnent également cette inauguration. Ils veulent faire un gros coup de buzz, mais c'est très dommage pour la ville de Saint-Denis. C'est très bien pour les quartiers de Paris où ils étaient anciennement installés, parce que le voisinage est vraiment excédé. Maintenant, j'ai la totale conviction que tout est une escroquerie. Dans son dernier rapport datant de 2021, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires soulignait que ce choix de localisation à Saint-Denis n'était pas anodin. À proximité, autoroute A1, Stade de France et village olympique. De quoi craindre un risque d'opération de tractage, selon l'organisme d'État.